bois le double. Voilà. T'es prêt Marius? Ouais. C'est le top départ? Top départ, kilomètre zéro on va dire. Hein. Direction les Alpilles, on va essayer de sortir de la ville. Et ce soir normalement on dort en pleine nature. Avignon ils disent 350 jours de beau temps par an. Et nous ils annonçaient de la flotte. Donc on sait quand même c'est pas de chat. Ouais mais on n'est pas en plein mois d'août. C'est normal. Non, on est en plein mois d'octobre. Attends, c'est quand l'automne? C'est à bientôt, hein, c'est ça mon soupeux. Attention monsieur. Ouais mais... Ah c'est tout excusé. Je crois que c'est là-haut qu'on va. Ouais. Au petit clocher. J'ai déjà sué moi. Ouais. Vache. Qu'est-ce qu'on voit là? Les Alpilles. Le Luberon à gauche. Le Luberon en face, à gauche. Donc nous ce soir on dort dans les Alpilles et demain soir dans le Luberon. On se fait ces deux parcs. On est parti d'Avignon, on va à Rochefort-du-Gard, ensuite on descend dans les Alpilles. Luberon. On dort dans les Alpilles, après on file dans le Luberon à droite. Et on dort dans le Luberon et après on remonte à Avignon. Et on a fini notre boucle de 3 jours. C'est parti? C'est parti. Allez. Marius! C'est un chemin? Ouais. Allez, on le prend. On part de Rochefort-du-Gard. On va à Saz. Ouais. Saz, sans pas le café, là? Non, pas de café, on n'a pas le temps. Sinon, on sera... Sinon, on n'arrivera jamais dans les Alpilles, mon petit. On a fait n'importe quoi. Sauf si on veut aller à la bibliothèque. La bibliothèque. Est-ce que t'as un livre à rendre? Non, j'ai tout rendu avant les vacances. Bon, ben alors, c'est pas la bonne route. Donc là, en gros, on a fait 15 bornes depuis Avignon. On est déjà au milieu des petites vignes et tout. Petite route parallèle aux grands axes, personne. Très agréable. Petit village d'Aramon. C'est marrant. On est dans des petites ruelles. C'est mignon. Je prends une borne en 3 heures avec les petites pauses, village. 10 km par heure. C'est ça. Dis donc, mais qu'est-ce qu'il a Marius sous ses pieds là? C'est pas une bouteille de moelleux? Un petit loupiac 2019. Très bien. Très bonne année 2019. Donc là, après Aramon, on s'est mis sur la Via Rona, qui est une piste cyclable qui doit très probablement longer le Rhône. Donc c'est assez sympa, il n'y a plus de voitures, là, il y a même des petites familles. Bonjour. 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 Et on aimerait bien se faire une petite pause déj avec Marius. On attend la petite terrasse qui va nous appeler du fond du cœur. Ouais, très bien. C'est pas mal ça. Bonjour. Bonjour. Pause. Pause. Ouais, super. On arrive à Montfrin, on a freiné. Et on est arrivé là. Hein. Première journée. Première pause. Première matinée. Première matinée. 37 km. Ouais, 37 km. Il nous en reste encore une petite trentaine pour l'après-midi. Et on est à Montfrin. C'est mignon. C'est un vélo de hipster.
C'est vraiment un petit vélo de hipster, ça. C'est ouais. Le tien? Non, on me l'a prêté gentiment. Je l'ai adapté pour notre voyage avec mes petits éléments personnels, histoire qu'il soit bien. Ouais. Et ça, c'est notre bébé, ça? Ça, c'est ton petit bébé, vélo de voyage idéal de Monsieur Tout le Monde. Fabriqué par Marius. Meilleur prix du marché, qui t'emmène au bout du monde. Alors oui, parce que quelques mois plus tôt, mon vélo, il ressemblait à ça. Parce que Marius, il répare et assemble des vélos sur mesure. Alors quand je lui ai demandé s'il n'avait pas un vélo de voyage en stock pour moi, bah il m'a proposé qu'on le fabrique. Voilà la petite histoire du vélo. Qui ira tout aussi loin, voire même beaucoup plus loin. Ouais, moi j'adore. Il fait un peu vélo d'ado de campagne. Ouais. J'adore. Je pense qu'il va aller, qu'il irait plus loin que celui-là, tu vois. Encore 30-35 bornes. Et on est dans les Alpilles. Et on est dans les Alpilles pour faire dodo et boire le petit Loupiac. Ah, je sais pas si on va dans le grand ou le petit Luberon. Le petit. Rona là. Ouais. Une ancienne voie de ligne de chemin de fer réaménagée. C'est impressionnant, c'est imposant. Ouais, c'est en jette. Là, c'est, on est à Beaucaire là. C'est autre chose que nos maisons en contreplaqué là. Ça, pour prendre d'assaut, Ouais. Faut se lever de bonne heure, manger un bon verre de jus d'orange et des douap parce que. Faut monter. Ça, tu crois que c'était la chasse d'eau? Y a moyen. Voiture. Ouais, j'arrive. Oh! Eh ben, épicerie Vivo, à Beaucaire, on prend. On prend. Et on fait nos courses. Oui. Ça, on voyage, la lavande aspic, c'est magique. Toute piqûre d'insectes et autres, on met une petite goutte ou deux, ça gratte plus. Ciao les moustiques. Si on a un petit peu mal au ventre, deuxième chose, à mettre dans sa gourde des menthes de goutte poivrée. La menthe poivrée. Deux gouttes de menthe poivrée dans sa gourde, ça évite un peu les infections des gourdes quand on voyage longtemps, qu'il fait chaud. Ça évite les champignons qui se créent dans les gourdes. Et ça donne un petit goût à l'eau. Donc elle est en coquillette. Et Et prends un rouge. Prends un rouge vite. N'importe lequel, prends un rouge. Un rouge comme ça, n'importe lequel, ouais. Vas-y, je veux le flamant rose. Ouais, le GFR. Ouais, il y a un flamant rose. On a eu le droit à un paquet de bonbons gratuits. Regarde bien le Rhône, Marius, parce qu'on va bientôt plus le voir. Ah oui ! Plus jamais ! Attention! On a failli avoir des chocs à pic de Marius. Non, mais les chocs à pic en vin blanc. T'es sûr, j'y vais en premier? Ouais, vas-y. Mais j'ai les sacoches rouges, moi. Non, mais c'est bon, vas-y. T'es sûr? Ouais. J'ai peur! Ouais, non, mais c'est bon. Comme des taureaux. Ah oui, ils sont pas gros. Oh, un taurillon, mais t'es mignon, toi. C'est un petit peu un taurillon Playmobil, celui-là. Hein. Il est tout petit. Hein. C'est un beau, le petit taureau. Mmh.
fait une pause là-haut. Oh, pause bientôt là. Plus de jus dans les cuisses. Et plus rien. Et hop là. Donc en gros là, avec Marius, on se demande est-ce qu'on dort avant beau ou après beau. Sachant qu'il est 18h, il fait nuit dans une heure. Et on va voir. On va voir ce qui nous inspire. C'est reparti. Ça fait une petite pause parce que moi j'étais en surchauffe moteur. Allez. Allez. On est à quelques kilomètres des Baux de Provence, là, 3 km. Mais on veut camper dans le sauvage un peu avant. Donc là, il fait un peu nuit. Marius a repéré un coin. Oh putain. On arrive dans le petit pierrier en flamme, là. Cinquantaine, centaine de mètres à faire. Le temps? Ouais, après ça roule. Ok, d'accord. Donc on y va tranquille, on casse rien. Et puis après on jette le temps. Trop bien, trop bien. On va faire un peu de... Ouais, non, c'est nickel. On fera les tentes après, on se boit deux bières là? Ouais. Toi aussi, t'as investi dans un oreiller de bivouac? Non, j'ai acheté un vrai oreiller en mousse formé. Il y a 5 ans que je partais en bivouac sans oreiller, et ça y est, j'ai craqué. T'as craqué? Ah ouais. Tiens. Ah, bien aussi, ça. Nos nuits gagnent 2 étoiles. Hein. Ouais. Donc bon, ça prend de la place, mais... C'est important de bien dormir. Ah! Petite coquillette. Tu fais ça là, volant dans le noir. Ah, fais gaffe, il y a le vin à côté. Ouais. Hop là. Merci. Santé. Santé. Exactement. Faut montrer aux gens que t'aimes bien les côtes, Xavier. Ah, le matin, je suis fort. Ah, le matin, il y a de l'énergie. Le soir, un peu moins. Thank you.
Bah, merci pour le café en tout cas. Hein. Écoutez, c'était avec plaisir. Je crois que j'ai une bouteille de quoi quand je suis là. Un petit goupiac 2019. Ça l'est, hein. On se laisse pas aller. Hein. C'est un petit moelleux. Faut prendre des forces. Vous avez bien raison. Ça va les cannes ? Ça va. Et toi ? Ça va. Voilà, là on quitte Beau. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Et on part pour cette deuxième journée avec Marius. C'est beau quand même. Hein. Au milieu des petits oliviers. Aujourd'hui, une grosse partie de la journée, c'est dans les Alpilles. Hein. On découvre et on est plutôt content de ce qu'on voit. C'est tout droit là ? Toi même et tu vas passer devant. Ouais, tu peux reculer un peu. Attends, je mets la marche arrière. Vas-y, recule. Je recule et tu passes, tu traverses les champs. Hein, tu passes, tu traverses le champ, tu roules comme si tu n'avais qu'une vie. Ouais, je suis joyeux. Mais c'est maintenant par contre, hein. Ouais. Ça tourne là depuis 50 secondes. Tu as été parfait. Bon, c'est super beau, mais on n'avance vraiment pas vite. Comme dit Marius, c'est plus un sentier pour les ânes, pour se balader avec un âne que pour se balader à vélo. Là, on a une côte, on pousse à pied. Donc on prend vachement de retard, ça devait être une petite étape de 45 km aujourd'hui, mais on doit faire du 5 km/h. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à un plan B, peut-être raccourcir l'étape et dormir je sais pas où, mais pas en haut des crêtes dans le Luberon. En tout cas, bah voilà quoi, les Alpilles c'est beau. Hein. Et il y a les mouches qui commencent à se coller sur nos gueules, on se croirait dans un mauvais western où on va mourir pendu là. Non, à droite. À droite. Partie des Alpilles un peu rude. Ah là, ça roule tout seul, ça fait du bien. T'es content, Marius ? Ouais. Non, 25. Ça fait 4 heures qu'on n'a pas fait du 25 km/h. Et on va faire notre pause déj à 15h22, je pense. Wow, wow, wow. On n'est pas en avance aujourd'hui, on n'est pas en avance. Tu la vois la terrasse là ? Le progrès. C'est mignon. On a le choix en fait, là, on a tout le choix. Bah, quelle cuisine est ouverte à 14h52 quoi ? Les seuls qu'on fait le progrès. Vas-y, le progrès, on a faim là. Comme dirait Marius, on mangerait des knackis pas cuites là. La vache ! La boulangerie, c'est très bien, non ? Petit sandwich rosette. C'est en anglais. C'est tout le temps, moi, qu'on m'a emmené dans l'anglais. Ouais, t'as compris ça en anglais. Tu me dis quoi, espagnol. Tu me couvres, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Je vais rigoler. Ah, mais je veux. C'est pas drôle.
On est parti de notre petite pause déjeuner et on devrait être dans une petite heure dans le Luberon. On va essayer de se trouver un petit endroit de bivouac sympa. On a vu un lac, donc on va voir si ça tient ses promesses ou pas, mais ça a pas l'air mal. On laisse peut-être tomber l'idée du lac, on a peut-être trouvé mieux. Vu que le Luberon, c'est y a la Durance, la rivière qui passe en dessous. On essaye de se trouver un spot près de la Durance. Là, on est vraiment au pif. Hein. Et ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va pas être très agréable au niveau sol pour la tente. Je pense qu'il faut peut-être qu'on aille voir le lac quand même. Allez, on pousse au lac. Et là? C'est pareil que là-bas, mais en différent. Ça, c'est pas mal quand même. T'en as vu? La vue est cool. Et ça, c'est pas un spot à tente dans l'herbe coupée là? Bon, on hésite encore, on est à 500 mètres du lac. Allez, on pousse au lac. On a trouvé notre spot. Ouais, au bord de l'eau. Au bord du lac. On n'est pas encore dans le Luberon, mais il nous tend les bras, il est là-bas. Et on a un petit terrain là pour mettre les tentes. Cette journée, comment la résumer? Très technique ce matin, très dur. Et petit plan en route sur la fin pour rattraper un peu notre retard et venir au pied du Luberon pour dormir. Ouais. Mais journée magnifique. Je crois qu'on en a pris plein les yeux et plein les jambes, non? Ouais, en fait. Plein les jambes aussi, ouais. On en a bien chié. Ça serait bien de ne pas avoir les sacoches. Ouais, c'était un peu technique avec du vélo de voyage. Bah, le problème, c'est que les chemins ils sont magnifiques, mais c'est du gros pierrier, donc c'est pas très roulant. Ça te dérape en fait le pneu. Voilà. Donc, dès qu'on est dans de la côte avec du galet roulant, c'est compliqué. Moi, je la trouve pas mal, non? Ça trouve pas mal. Ah ouais? Ah ouais? Ah, ça me fait chier de faire ça. Wow. Ah ouais, on va montrer ce qu'on emmène. On va vous montrer ce qu'on emmène quand même. Dans une sacoche, je vais avoir tout mon bordel pour dormir. Ma tente, mon matelas, mon duvet, mon oreiller et mes fringues. Un vêtement de pluie. Ça, c'est ce que je mets la nuit pour être au propre. Un pull chaud, un jogging, un slip propre. Donc comme ça, la nuit, je suis propre et je me sens propre. Et le jour, je suis comme ça depuis 3 jours. Tout mon matos vidéo. Donc appareil, drone, truc, batterie de rechange. Un sac poubelle, une frontale. Et là, ma petite trousse de toilette et ma serviette de toilette. Ben moi, c'est un peu comme Xavier. Tente, duvet, oreiller. Et mon matelas. Qui est en dessous, mon espace électronique avec mon petit panneau solaire pour être en autonomie, ma petite paire de tongs pour le soir, mon kit réparation. Tes fringues. Mes fringues, pareil, un petit coupe-vent, un petit pantalon, un short, deux t-shirts, deux slips, ma petite trousse de toilette. Et après, en plus, on va avoir la partie popote. Bon, on est un peu luxe, hein. On a pris la cafetière, la casserole qui se déplie, les assiettes, le réchaud, les gobelets, les petits ustensiles. Allez, on sort tout. Enfin, voilà. On sort tout? Non.
Mange, mon gars. Arrête de filmer et mange. Ouais, on va avoir de la côte, hein. T'as vu Marius? Les cèdres! On y arrive? On y arrive enfin! On va jusqu'à Avignon ou... Bah moi... On se pose les tentes... Franchement j'aurais kiffé à dormir en sauvage ce soir. Alors, l'aventurier à vélo là, ça va? Oui. On peut se mettre là, l'autre, sinon après il y a des espaces là. 220 mètres.